Good morgen. Allez, Iden les sujets aujourd'hui de Nishmat Chaya Esther, Bat Miriam Yaakov Ben Levan Avi Yosef Akab et Robert Baruch Ben Jamil Tarab, ainsi que les Fatol Israël Shimon Esther, Hamshat Miriam Bat Roslana et Biabin Ben Chibiva Vetor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Maserhet Ruil par Ekret Mishnachet Gzuz Tera Sheilema La Minamaim En Memalin Hemena Beshabbat Ela Imken Asula Mechitza Gvoa Asarat Fachim. Ben milemala, ben milemata. Vechen, il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire le vechen. Shtegzuz traot, zo le maala mizo. Asula eliona velo asula tartona. Shten asurot adche ye arvu. Mishnah un peu délicate. Première partie très simple. Et deuxième partie, ça va se compliquer un peu. Première partie, on continue avec les halachot de comment se conduire avec le puits, avec toutes sortes de sources d'eau pendant Shabbat, le cours d'eau qui passe au milieu de la cour, comment faire pour pouvoir l'utiliser, avec à présent un sujet un peu délicat. Gzuz Tera Sheilema La Minamaim. Gzuz Tera, c'est une sorte de balcon qui dépasse, qui est au-dessus de l'eau. Soit, on parle d'une personne qui a construit, il a, ça peut être une source en dessous de lui, ça peut être le lac, la mer, ce que vous voulez, il habite vraiment, vraiment au bord de l'eau. Il habite au-dessus de la falaise, peu importe. Et à l'époque, vous savez, il n'y avait pas l'eau courante. Mais lui, il a eu l'eau courante à la maison. Comment? Il a fait sortir une mirpesset de chez lui, avec, dedans, il a fait un trou. Et comme ça, il fait descendre le seau jusqu'à dans le lac, dans la mer, dans la source. Et il remonte. Il remonte le seau à la maison. D'accord? C'est comme ça qu'il procède pour puiser son eau en semaine, et même le Shabbat. Donc du coup, la question se pose maintenant pendant Shabbat, comment peut-il porter, étant donné qu'en bas, c'est défini comme un carmélite. Si, supposons par exemple que c'est un lac, on va prendre ce cas-là. C'est le lac, par exemple, il habite à côté de Dveria, il a construit sa maison vraiment au bord du lac, et comme ça, donc, il fait descendre son seau, et il puise l'eau du lac. Il y a un problème, c'est que le lac a un statut de carmélite. Carmélite, ça signifie que c'est pas un vrai Reshut Arabim, c'est pas un vrai domaine public, mais c'est entre les deux, et ça a les mêmes chumrot que le Reshut Arabim par rapport à lui. Du coup, il ne peut pas puiser l'eau, il faut nécessairement, en théorie, qu'il aille construire un domaine privé dans le lac, qu'il fasse monter des murs, mais c'est pas la peine d'en faire autant, on va lui alléger, on va lui permettre de faire un mur au-dessus, depuis son balcon, il va faire un petit muret autour de son trou, de 10 tépars. Et après, là, il y a une halakha particulière, c'est comme dans Souka, où on utilise un... C'est comme dans Souka, on a vu, on connaît le sujet, que par exemple, si vous mettez un petit mur, alors on dit goudasik, le mur, il continue à monter jusqu'au ciel, même s'il ne touche pas ton srar. Chaque Souka, il faut qu'elle ait un srar et un mur. Même si le mur, tu as fait juste un mur de haut de 10 tefar avec un srar au-dessus, on considère que le mur, à partir du moment de 10 tefar, olé, adlarakia, il monte jusqu'au ciel. Et bien là, même principe, on va voir maintenant le goud achit, asik, ça veut dire comme un massoc. Ça monte. Achit, c'est Nechita. Ouais. Il descend. Goud, Achit. Goud, c'est un mur en araméen. Achit, le mur qui descend. Soit, en fait, je te demande de suspendre un mur en hauteur. Et en fait, tu peux même le mettre. Alors, tu peux le mettre au-dessus, tout autour de ton balcon. Tu peux le mettre tout autour de l'ouverture uniquement, même si tu veux. Même mieux que ça, tu n'es même pas obligé de le mettre au-dessus. Tu peux le mettre en dessous. Imagine, tu réussis à le suspendre en l'air. Tu as un système pour le faire. Et l'essentiel, c'est que tu as fait un mur maintenant de 10 tefar, une hauteur de 10 tefar. Dès que tu as fait une hauteur de 10 tefar, on considère que le mur descend jusqu'à en bas, d'accord, jusqu'à donc dans le lac. Et c'est-à-dire que maintenant, cette partie du lac, tu l'as maintenant délimitée avec ton mur. C'est devenu un rocher privé, et tu fais passer de ton rocher privé à ton rocher privé, il n'y a aucun problème. Et c'est ce que la Mishnah me dit comme ça. Zuz tera, un balcon, chez les ma'ala minamaim, qu'elle est au-dessus de l'eau. Balcon au-dessus de l'eau. Et quoi? Ein memalin hemena beshabbat. On ne remplira pas depuis ce balcon pendant Shabbat, donc à travers ce trou. Elaimken asula mechitza gvoa asarat fachim, sauf si on lui a fait une barrière, un mur, un petit muret haut de 10 tefar, ben milemaala ben milemata. Que tu l'aies fait au-dessus, donc tu l'as construit au-dessus du balcon, ou en dessous du balcon, d'accord? Sous le balcon, tu as réussi à faire descendre les 10 tefar. Voilà pour la première partie de la Mishnah, c'était relativement simple, pas compliqué. La deuxième partie de la Mishnah, elle devient plus complexe.
Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord la traduire, après je vais vous poser les halakhot telles qu'elles sont rapportées dans le Barthénora et le Tiferet Israël, et après on va essayer d'expliquer la logique de tout ça. Et je vous ai dit, il ne faut pas dire le mot Vechen. Rachid dit qu'il ne faut pas dire le mot Vechen, c'est deux sujets différents. C'est-à-dire, on va toujours parler du balcon, mais cette fois, mais les applications n'ont aucun rapport en fait. Il y a à présent deux balcons, un au-dessus de l'autre. Il y avait deux voisins, un au-dessus de l'autre. Ils ont fait le même système là avec les balcons. Ils ont fait un trou, bien évidemment, à la même hauteur, quoi. D'accord? Comme ça, quand celui du haut il veut utiliser, il fait descendre son puits, son seau, jusqu'à, il fait ça, ça va pénétrer dans le trou du voisin du dessous. Et ça va arriver jusqu'en bas, il va puiser l'eau. Donc en fait, il s'avère là, on va entrer dans un problème de Hérouv, dans la mesure où j'utilise le même endroit, moi qui habite tout le temps, j'utilise l'espace de celui du bas. Si je l'utilise, alors on va peut-être être confronté à des problèmes de Hérouv, comme ce qu'on va voir tout de suite. Et là, d'abord, je traduis. Je t'exouze traot zolema la maison. Deux balcons, un au-dessus de l'autre. À Soula et Liona, ils ont fait une barrière pour celle du haut, vélo à sous la tartona, mais ils n'ont pas fait la barrière pour celui qui habite en bas. Soit, on avait dit qu'il fallait faire la barrière au-dessus, vous vous rappelez? Il faut faire la barrière au-dessus du puits. On a fait là une barrière ensemble, même, je précise tout de suite. Ensemble, celui du bas, il s'associait pour faire la barrière de celui du haut, mais ils n'ont pas fait de barrière en bas. Alors, la Mishnah m'enseigne, Shtehen asurot ad sheye arvu. Les deux seront interdit de puiser de l'eau, jusqu'à qu'ils vont faire un hérouv ensemble. Donc, on va essayer de poser le problème, je comprends que c'est délicat, j'ai tant bien que mal compris l'idée générale, mais je ne suis pas sûr d'être très précis, même dans la Gemara quand je l'avais fait, j'étais un peu perturbé quand j'ai étudié cette Gemara, mais elle était assez complexe, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme ça. Vous avez bien compris le problème, lorsqu'on se fait sortir le balcon, on fait un trou, il faut mettre une barrière pour pouvoir utiliser en dessous. Lorsqu'on est deux, alors, on va se retrouver dans une certaine problématique. C'est que si on est deux à utiliser un même espace, il s'avère qu'on a un espace commun. Si on a un espace commun, il faut faire un hérouv, en théorie. Au même titre que lorsqu'on est tous les deux à plat, moi j'habite ici, toi j'habite ici, on a au milieu un terrain qui appartient à nous deux, on doit faire un hérouv pour pouvoir l'utiliser mutuellement. Sinon on ne pourra pas l'utiliser. Eh bien, selon ce même principe, de nouveau, là, c'est un peu différent, c'est plus côte à côte, c'est un au-dessus de l'autre, on utilise un même espace. Il y a, alors du coup, maintenant je vous pose d'abord la halakhot qui en découle. La Mishnah, elle explicitait une halakha particulière, elle a dit, si tous les deux construisent ensemble le mur en haut, alors, plus personne ne pourra utiliser ce puits pendant Shabbat. Par contre, il y a deux, trois halakhot à connaître. D'accord? Imaginez, chacun construit son propre muret sans se mêler de l'autre. Là, ça devient permis d'utiliser. On considère qu'ils n'ont pas besoin de faire un hérouv. Pourquoi? Moi, j'ai fait ma méritza pour moi, j'ai vis ma vie. Toi, tu as fait ta méritza en dessous de moi, pour toi, tu vis ta vie. Ah, il s'avère que concrètement, on passe dans le même domaine, ça ne dérange pas. D'accord? Pour le moment, on l'admet. Chacun s'est soucié de soi uniquement, c'est mieux. Si on s'est soucié de faire quelque chose ensemble, ça devient plus problématique. Du coup, si on a fait la méritza, donc, ensemble, si on a fait la méritza ensemble en haut, alors plus personne ne pourra utiliser parce qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il faut faire un hérouv. Soit on a en théorie une méritza qui pourrait marcher par rapport à la chôte. Vous vous rappelez, depuis le début de hérouv, on a bien expliqué. Il y a deux problèmes à résoudre dans les sujets de hérouvine. Il y a un problème de d'abord délimiter un endroit qui n'est pas délimité, lui faire des barrières. Une fois qu'on fait les barrières, s'associer dedans avec le hérouv fratzerot. En mettant un pain ou bien faisant un hérouv ensemble. Donc là, du coup, je t'ai demandé de faire une barrière pour pouvoir porter, sinon c'est un carmélite. Il faut nécessairement faire une barrière. Lorsque tu vas faire la barrière, c'est possible que tu vas créer un problème. Parce que selon la manière dont là, vous allez faire la barrière ensemble, celui du haut et celui du bas, eh bien, il est possible qu'il y en a un qui va avoir un domaine commun aux deux, qui va nécessairement falloir faire un hérouv fratzerot pour s'associer pour pouvoir utiliser le même espace. Concrètement, je pose maintenant les halakhot. Si chacun fait le hérouv chez soi, fait le petit mur chez soi, alors là, chacun vit sa vie indépendamment. Moi, j'ai fait mon mur, je me suffis et je me contente tout seul, j'ai pas besoin de toi en dessous. C'est pas grave si moi je passe par ton espace.
Et toi aussi, tu as fait ton mur tout seul en dessous. Tu pourras toi utiliser ton puits, même si concrètement, moi, je passe au-dessus. C'est une halakha un peu dur à admettre. Parce qu'en théorie, concrètement, si je passe par là, ben, c'est devenu un domaine commun aux deux. Il y a ici une petite difficulté à interpréter. Mais pour le moment, j'avance encore. Et je répète les halakhot qui sont apportées dans le Barthénois. Il y a donc le cas, j'en apporte, rapporter deux cas pour le moment. Le cas où les deux ensemble construisent le mur du haut. Le cas où chacun construit son mur personnel, là c'est le meilleur. Il y a encore le Barthénois qui nous dit comme ça, Vimasu la Tartona, Veloasu la Eliona, s'ils ont fait ensemble pour celui qui habite en dessous, mais pas pour celui qui habite au-dessus, Afapishen a Eliona Shutafut, Bamichitsa, Shel Tartona, Shen Asurot. Ah, de nouveau, si toutefois, alors là le Barthénois nous dit, et si toutefois celui du dessous, il fait lui tout seul la Mechitsa, alors là de nouveau tout reste interdit. Ouais. Pourquoi? Parce que là, si tout chacun il fait sa mechitza, s'il y a juste celui du bas qui fait sa mechitza plutôt, s'il y a juste celui du bas qui fait sa mechitza, alors là, regardez ce qui se passe. Celui du bas, il a fait sa mechitza, c'est un peu dur à... celui du bas, il a fait, lorsque celui du bas, il a fait sa mechitza, hein, il s'avère que lui, il a voulu définir son domaine. Mais il a concrètement celui du dessus qui lui passe au-dessus, pour pouvoir permettre de porter, de puiser l'eau pour celui qui habite du dessus. Quelle mechitza il doit utiliser? Il faut délimiter le domaine. Il utilise quel mérite ça pour délimiter? Le domaine de celui qui habite en dessous. Ah, tu utilises celui qui habite en dessous, il faut que tu t'associes avec lui. Si tous les deux vous faites chacun sa mérite ça tout seul, au-dessus, autour de son puits, alors là, il est vrai que concrètement tu passes par chez lui pour pouvoir arriver dans le lac, mais toi t'as pas besoin de lui du tout. Alors, on considère que vous êtes tous les deux à avoir construit chacun sa mérite ça au même endroit, et ça marche pour toi et ça marche pour lui, même si vous n'êtes pas considéré comme associé. Chacun, il ne rentre pas dans les pieds de l'autre. Mais si toutefois, tu as besoin de son mur à lui pour pouvoir toi porter, pour pouvoir toi puiser, tu as besoin d'utiliser sa méchitsa. Ah, tu utilises sa méchitsa. Donc tu passes dans sa cour, vous avez quelque part une cour partagée entre vous. Ah, vous partagez une cour entre vous, il faut faire un hérouf entre vous. D'accord? Donc en fait, si je récapitule, ah, il manque le dernier cas, c'est le cas où celui du dessus, il fait tout seul la méchitsa et celui du bas, il fait rien. Alors là, celui du dessus, il a le droit d'utiliser, celui du bas, il n'a pas le droit d'utiliser. D'accord? Parce que là, cette fois-ci, celui d'en haut, il a fait sa méchitsa, lui il se contente tout seul, il n'a aucun problème. Même s'il passe par l'espace de l'autre, c'est pas grave. L'autre, il n'a plus le droit de puiser. Pendant Shabbat, il n'utilise pas son puits. Et donc, du coup, celui de tout en haut, il a le droit. D'accord? Donc, on a maintenant quatre cas de figure. Le cas où celui du haut, il fait tout seul, il peut puiser. Le cas où celui du bas fait tout seul, il ne peut pas puiser. Personne. Pourquoi? Parce que si celui du haut, il a besoin d'utiliser le mur du bas, donc il faut faire un hérouv entre vous. Si celui, maintenant, chacun il fait son hérouv tout seul, alors là, ça devient, chacun il fait son petit mur tout seul, là ça devient permis parce que chacun se contente tout seul. Et l'autre cas de figure, c'est le cas rapporté dans la Mishnah, bien sûr, c'est le cas où les deux se sont associés pour faire la Mechitsa du haut. Puisque là, de nouveau, vous voulez utiliser la même Mechitsa, vous êtes le de Shutafim, à vous êtes Shutafim, il faut faire le hérouv Hatzerot. D'accord? Je refais ça dans les mots, je ne sais même plus si je l'ai fait dans les mots. Il y avait deux balcons, un au-dessus de l'autre. Asula et Liona, ils ont fait ensemble pour celui qui habite. Pour le balcon du haut, mais là sous la tartona, mais ils n'ont pas fait de mur pour celui qui habite en bas. Shten Asurot, les deux seront interdits de puiser, Hatcheyar, vous jusqu'à qu'ils vont faire le Hérouv ensemble. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tuv, Sera.